Alors les raisons sont nombreuses, mais on peut peut-être en citer une, qui est son modèle économique. L'adresse est une coopérative. Chaque patron d'agence détient une voix et à ce titre participe à la prise de décision et à l'évolution du réseau. La coopérative permet également de mutualiser les services et les outils pour les rendre plus performants et plus rentables. On est une sorte de réseau tout inclus à prix coûtant. Et puis après, c'est aussi la force de ces sociétaires, des associés de l'adresse, de toujours se remettre en question, d'être toujours à l'innovation, d'être toujours les premiers. Quelques exemples, la conciergerie. Aujourd'hui, nous avons été, tant mieux pour le client, copiés par beaucoup d'autres réseaux. Nous avons été les premiers à savoir apporter un service après la signature. L'estimation en ligne. Nous avons été également, il y a plus de 2 ans, le premier réseau à mettre un système d'estimation en ligne. Voilà, les exemples sont nombreux. Et je pense que ce qui est essentiel, c'est que les sociétaires se sentent entendus, écoutés et peuvent justement faire remonter toutes leurs bonnes idées.